Oui, allô, madame Menir? Oui, bonjour, Laurent, votre conseiller immobilier de l'agence immobilière de l'Inhabitable. Voilà, c'est un petit peu long comme titre, oui. Alors, madame Menir, j'ai sillonné la Bretagne dernièrement. Ah, c'est une jolie région, hein. Ah oui, je comprends que vous vouliez vous installer là-bas, ouais. En fait, j'ai trouvé une belle maison, donc elle est au calme, isolée, enfin vraiment, un dolmen où l'amour sera au roi, si je peux me permettre, madame Menir. Oui. Ah oui, vous me connaissez, je blague toujours. Le dolmen, oui. Bon, enfin, bon, alors, revenons à nos moutons. Il y en a aussi en Bretagne. Madame Minière, alors, pardon? Les légendes en Bretagne? Oh, oui, bah oui, il y a des légendes, ça c'est des histoires, vous savez, mais bon, on croise personne, hein, je vous rassure. Sauf la nuit. Ah oui, la nuit, ça peut arriver, mais bon, ils sont discrets. Hein. Voilà, à peine on... C'est comme deux ombres, en fait, si vous voulez, madame Minière. Des fantômes? Oh ben non, 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 c'est un bien grand mot, ça, des fantômes, madame Menhir. Disons que c'est des anciens habitants. Voilà, des fois, ça peut provoquer un petit courant d'air, voire un petit frisson qui vous parcourt le corps, madame Menhir, mais bon, rien de méchant, hein, madame Menhir. Vous savez, comment? Non, 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 bah, à ce moment-là, vous avez juste à monter un petit peu le chauffage, ou mettez vous allumez un petit peu la cheminée, hein, et puis comme ça sera plus que convivial, pour eux comme pour vous. Non, non, enfin, pour vous surtout, madame Menhir. Madame Menhir? Madame Menhir, vous êtes toujours là, Madame Menhir? Allô? Madame Menhir? Madame Menhir? Ah. Bon, ben, je pense que ça doit être les courants d'air, ça a dû. Oui, je pense que les courants d'air, ça a dû la refroidir, hein, Madame Menhir. Allez, je comprends.